Alors le low-cost aérien euh, est un modèle qui se divise en fait en deux, deux composantes. Vous avez des low-costers qui ouvrent des lignes sur lesquelles il n'y avait aucun opérateur. C'est typiquement le modèle Ryanair. Et vous avez un autre type de low-cost, EasyJet pour ne pas la nommer en France, qui va s'implanter au cœur des grands aéroports et qui vient mettre de la concurrence sur des lignes où vous aviez un seul opérateur en situation de monopole. Et bien dans ce cas-là, c'est ce cas qui m'a intéressé, on s'aperçoit que le low-cost a une vertu. C'est classique, c'est de faire baisser les prix. Alors tout d'abord faire baisser les prix pour ceux qui décident de quitter la compagnie historique pour rejoindre la compagnie low cost. Les études empiriques sur des données américaines estiment en moyenne que la baisse de prix est de l'ordre de 50 ce qui est tout à fait considérable. Mais il y a une vertu cachée au low cost, une seconde vertu. C'est que non seulement le low cost fait baisser les prix pour ceux qui le rejoignent, mais il fait également baisser les prix pour ceux qui restent fidèles à la compagnie historique, qui est obligée de baisser ses prix. Selon les études américaines, la compagnie historique baisse en moyenne ses prix de 30 Alors j'ai essayé de mesurer cela très concrètement et très précisément sur le cas de l'aéroport de Lyon, car nous avons une dizaine de lignes à Lyon qui étaient en situation de monopole et sur, la, sur lesquelles est entré un opérateur low cost. Et j'ai estimé le gain de pouvoir d'achat au cours des années 2008-2009, et j'obtiens, avec des hypothèses très conservatrices, des chiffres très précis de trafic, de prix, un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs de l'ordre de 150 millions d'euros sur deux ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est qui est le grand gagnant de ce gain de pouvoir d'achat C'est non seulement les clients qui sont passés au low cost, mais ce sont surtout les clients de l'opérateur historique. Au fond, le low cost profite à ceux. Qu'il n'utilise pas. Voilà une des vertus cachées de la concurrence. Au fond, la question que vous posez est une question plus générale. La concurrence est-elle créatrice ou est-elle destructrice d'emplois Je crois qu'il faut bien distinguer sur ce, sur ce, sur ce sujet polémique, hein, ô combien polémique et puis euh, assez angoissant, notamment pour les salariés, deux aspects. Il y a l'aspect quantitatif, la quantité d'emplois, et il y a l'aspect qualitatif, la qualité des emplois. Sur l'aspect quantitatif, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir. Toutes les études économiques montrent que le low cost et la concurrence en général vont certes détruire des emplois chez les opérateurs historiques, mais elles vont créer des emplois chez les nouveaux opérateurs. Et en général, les créations d'emplois l'emportent sur les destructions d'emplois. Pourquoi Parce que la concurrence fait baisser les prix. Or, quand les prix baissent, cela stimule la demande c'est particulièrement vrai dans le transport aérien. Donc vous allez certes détruire des emplois chez l'opérateur historique, mais le low cost lui va créer des emplois. Et on a tendance à toujours retenir la destruction sans jamais voir les créations d'emplois qui sont en face. Et puis au delà des emplois directs dans l'aérien, des emplois de pilotes, d'hôtesse de l'air, le low cost va créer des emplois indirects. ce sont des clients, des touristes qui vont venir de l'Angleterre à Bergerac et qui vont stimuler l'activité locale. Sur ce point quantitatif, on a des études extrêmement précises, notamment des études de Audit France, qui montrent que le low cost aurait créé entre 60 000 et 100 000 emplois, à la fois directs, indirects, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Maintenant, sur la question de la qualité des emplois créés, je crois qu'à nouveau, il faut être très subtil dans la réponse, très, très précis. En effet, le low cost se traduit par des gains de productivité très importants. Dit autrement, les salariés du low cost sont soumis à une intensité au travail très forte. Mais on peut dire aussi que la contrepartie de cela, ce sont souvent des salaires au moins équivalents à ceux que l'on trouve chez les autres opérateurs. Si vous prenez le low-cost aérien, certes, les rémunérations relatives, si on les met en comparaison avec le temps de travail, sont plus faibles que chez les opérateurs historiques, puisque euh, les pilotes volent plus. Mais si vous regardez les rémunérations absolues, c'est-à-dire les salaires, au final, on ne peut pas dire que les salariés du low-cost sont moins bien payés que les salariés de l'opérateur historique. Alors, en effet, la question de la qualité est une question qui est dans, dans, dans tous les esprits, notamment euh, des consommateurs. Avec l'idée fréquente, certes, nous allons payer moins cher, mais au fond, ça n'est qu'un marché de dupes, car cette baisse de prix serait compensée par une qualité moindre. Je crois qu'il faut faire attention aux débats piégé. En l'espèce, quand on parle de qualité, il faut bien distinguer la qualité superflue, celle qui n'est pas essentielle. Par exemple, dans une voiture, il n'est pas absolument essentiel d'avoir un autoradio ou d'avoir la climatisation. Dans un avion, il n'est pas absolument essentiel d'avoir un petit déjeuner ou une carte de fidélité. Si l'on parle de la qualité superflue, oui, le low cost entraîne la disparition de la qualité superflue. Mais si maintenant nous en venons à l'essentiel, à la qualité que j'appellerais la qualité non négociable, le low cost ne peut pas prendre le risque de jouer avec ce type de qualité. Prenons l'aérien. Dans l'aérien, au fond, quelle est la qualité non négociable la sécurité. Les vols low cost ne sont pas moins sûrs que les vols des compagnies historiques. Toutes les statistiques le démontrent. Seconde caractéristique non négociable de la qualité dans l'aérien, la ponctualité. Les vols low cost ne sont pas moins ponctuels que ceux de l'opérateur historique. Troisième caractéristique de la qualité non négociable, le respect des droits des consommateurs, notamment en cas de retard et d'annulation. C'est peut-être sur ce point que le low-cost a encore des progrès à faire. Mais si j'ose dire, c'est le job des autorités de régulation que de rappeler régulièrement qu'il ne saurait y avoir de droit des consommateurs au rabais, y compris pour les low-costers. Au fond, la question que vous posez est une question plus générale que celle du low-cost, c'est la question de la concurrence. Oui, par définition, si j'ose dire, la concurrence remet en cause les positions installées. Et vous savez, une menace... Est aussi toujours quelque part une opportunité, pour peu que l'on regarde la menace en face et pour peu, si j'ose dire, que l'on fasse de la contrainte un levier pour s'adapter. La concurrence est aussi un formidable aiguillon, c'est un moyen de se renouveler, de ne pas s'endormir, si j'ose dire, sur ses lauriers. Alors, comment ne pas s'endormir sur ses lauriers Eh bien, tout d'abord, un opérateur historique peut faire le choix de devenir lui aussi low cost, sans pour autant renoncer à son identité. Regardez euh, la chaîne d'hôtels Accor. Accor fait à la fois du luxe, mais elle fait aussi du low cost avec Formule 1. Regardez Renault. Renault fait une voiture qui s'appelle la Logan, qui est un grand succès. Ce qui ne l'empêche pas aussi de, fait de faire d'autres types de, de véhicules. Alors c'est vrai que dans l'aérien, les opérateurs historiques ont eu du mal à se dire nous aussi, nous allons devenir des low costers. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'un opérateur historique crée une filiale dédiée au low cost, tout en restant, je dirais, plus classique sur le cours, sur le long euh, courrier. Autre moyen. Autre opportunité pour une firme installée, c'est de se différencier, si j'ose dire, par le haut, en jouant sur la qualité, en jouant sur le service. Regardez ce qui s'est passé dans le hard discount, qui est une forme de low cost. Vous avez des entreprises très puissantes qui viennent d'Allemagne, Lidl, Aldi, qui se sont développées en France. Et quelle a été la réaction de certains opérateurs installés Ça a été de faire de la montée en gamme, en créant des petits formats de magasins, en centre-ville, avec des horaires d'ouverture très larges avec une qualité de service très grande. Donc vous voyez, certes, le low cost, comme la concurrence, est une menace, mais toute menace est une opportunité pour peu que l'on regarde les choses en face et qu'on n'ait pas la politique défensive du statu quo. C'est vrai que la France a toujours, vis-à-vis -vis de la concurrence, une attitude un petit peu euh, défensive, euh, ambivalente. Hein. Finalement, au nom de la défense de l'existant, parfois du champion national, on a tendance à freiner ces mouvements que Schumpeter appelait ces mouvements de destruction créatrice, qui sont des mouvements inéluctables. Et le low cost n'échappe pas à la règle. De toute façon, le low cost existe. Autant transformer cette contrainte euh, en opportunité. Alors, pour, je dirais, que les Français euh, s'approprient au fond le low cost, je crois que la, le rôle de l'État est capital. D'abord, le rôle de l'État, ce peut être de rassurer. De rassurer en expliquant qu'il n'y aura pas de low cost au rabais que les droits des consommateurs, que le droit du travail doit être respecté par les opérateurs low cost, tout comme ils doivent l'être par les opérateurs euh, historiques. Et l'épisode Ryanair est venu nous rappeler, de ce point de vue-là, qu'il ne saurait y avoir de droit du travail euh, au rabais. Mais au-delà, je dirais, de cette capacité à rassurer, l'État doit aussi, si j'ose dire, ouvrir davantage les secteurs protégés à la concurrence. Si je prends euh, l'aérien, il est clair que la France a encore un retard. En matière de low cost aérienne, qui ne s'explique pas uniquement par l'importance du TGV. Il y a aussi la question de l'accès aux grands aéroports en France, la question des créneaux de décollage, la question des taxes aéroportuaires. Donc je crois que l'État ne doit pas hésiter à la fois, je dirais, à rassurer les consommateurs en leur montrant qu'il ne saurait y avoir de low cost au rabais et en même temps avoir une attitude beaucoup plus offensive. Le low cost existe. Plutôt que de rester dans une, une attitude un petit peu défensive, prenons à bras le corps le low cost et transformons le low cost en opportunité pour la croissance et l'emploi.